du gravier là, tiens. Oh mec, on a obtenu pas mal de charbon en plus. On continue sur Galactic Science à la suite de l'autre épisode, plus ou moins. Épée à crafter des trucs. Ouais, et j'en chie parce que je suis perdu. Il reste les nanotubes. Le Naquad a été transformé. Et on s'en est guivé un peu aussi parce que il en faut encore 150 milliards. C'est trop long à farmer ces trucs. Je confirme. Hop. Attends, je suis en train de transformer. C'est bien le Frozen Iron Ingot, on en a plein, on peut le transformer en Nepenthium, qu'on n'en a pas beaucoup. Les trucs qui font des plates, elles sont pas ici, hein, elles sont là-bas. Si, c'est là. Carbone électrique. Électrique compresseur. Pas de bruit. Là, il m'en faut. Ouais, il m'en faut 64, c'est ça. Un peu moins. Ah, ça les fait deux par deux. Oh, c'est pratique tout ça. Bah voilà. Boing. Du coup, aujourd'hui, alors. More power. Bah, t'as fait les différents trucs. Vas-y, on va prendre. On prend un machine casis ou un. Non, un octadic. Hein. Capacitor, c'est mieux. Ouais. Ross it. Ah, faut que tu fasses une vibrante capacitor bank. Je suis en train de la faire ici, casse-burne. C'est long. Ouais. Un octadic ici? Non, c'est batterie slot. On a des octadics partout. Ah Octadic mais je tiré. suis complètement perdu moi. Oh, j'ai une fuel canister. Ça nous permet de peut-être repartir vers d'autres planètes. Hop. On a pas mal de canisters. Non, ça, c'est propre. Tiens. Mettre ça. Ouais, niveau planète. Je vais peut-être essayer d'aller dans la barrière d'astéroïdes là. Voir s'il y a des trucs ou pas. Ouais, bah ouais. Ça va être assez long, on va tout transformer. Non, 6. On va garder qu'on va pas transformer en plate. Bonjour. Bonjour, des rubis. Est-ce qu'on peut faire des blocs de rubis? Oui, normalement. Reste cache. Ah oh oui, c'est beau. Ah, j'en ai une deuxième. Je dois la mettre comme ceci. Et forcément, il me faudra ça. Ah, c'est burn. Casse-burn. Oui, c'est gaz burn. J'ai bouffé un mot. Duc. Bon, ah oui, une autre façon d'obtenir. Tiens, pour les nanotubes, apparemment. Non, je veux récupérer les cactus. Malheureusement, on se J'ai pique. eu qu'un cactus. Ah non, il y en a là-bas. Comme ça. 4 cactus et 6 cactus. Alors apparemment, le cactus plus, je crois que c'est du zinc pour faire du copernicium. Et plus de gold. Non, ça fait. Ah si. Du mescaline et de l'eau? C'est pas ça que je voulais. Ah si, du zinc. 30. Alors oui, parce qu'il nous refaut des Nether Stars. Alors on a deux façons d'en faire, soit avec des depleted qui sont, je sais pas où je les ai stockés, il m'en restait. Depleted, il y en a dans le coffre là où je suis. Il y en a deux. Oh, ok, ouais, c'est ça, il me faut ces deux-là. Hop. Et pour les retransformer en Nether Stars, apparemment faut les jeter là-dedans. % recharge. Il me faut du gold. Vais juste attendre un petit peu. Voilà. Tac, et ça devrait être bon après. Vanting Star Harvester and Wait. Apparemment c'est long. Bah écoutez, on va les mettre ici. Et on va essayer de crafter des Nether Stars parce qu'il va nous en falloir plus, hein. Pour en crafter une, voilà, il me faut du copernicium, c'est 112 et 30 plus 112 moins 30, ça fait combien? 12 moins 30, bah 82. 82. Qu'est-ce qui est.
Copernicum. Ah oui, Ah j'ai oui, pas. il nous en reste 16. Cool, on peut faire une en plus. Donc du coup, on n'a pas besoin pour l'instant. Et il me faut, voilà, beaucoup d'hélium. 1, 2, 3, 4 stacks d'hélium, 3 stacks d'hydrogène. Ça fait 11 stacks d'hydrogène. Et un stack de carbone. On va faire tout ça, on va voir si les déplétés de Nether Star se transforment en Nether Star. Ça nous en ferait 2, en plus il m'en faut 4, donc... Donc ça fait nos platings. 49, tiens, t'en as récupéré des... où il y a des pertes? De quoi, où, hein? Les platings... Ah oui, bah non, j'ai pas mis ce qu'il fallait, il nous en restait 6. Si tu le dis, je suis complètement perdu, moi. Non, c'est bizarre, il manque des plates, tu devrais en avoir plus. Bon, bah, c'est pas grave. L'épée est perdue. Ah, mais ça fait quoi? Ça doit faire 20 minutes que je suis en train de faire cette vibrante. Elle me pèse un peu. Voilà, il nous reste des crafts. Un petit peu embêtant. Mais bon, on va s'en Surtout sortir. quand il n'y a pas Applied en fait, c'est chiant. Ben ouais, parce que Applied, ouais, tu peux sélectionner directement, tu transformes, etc. Pas mal, donc on va produire pas mal Puis d'hélium. tout est stocké, donc du coup tu changes de craft, tout est stock là, tu renlèves tout, tu remets tout. Donc bon. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, il va me falloir les 4 vibrantes. Ça va, je commence à m'en sortir. Nyeh. Mais t'imagines quand même les derniers survivants de la Terre, ils font leur petite base lunaire et qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment de la cocaïne? Normal. Normal, tout se passe bien. Hop, il m'en faut un stack. Le carbone. Ouais, j'ai l'habitude de créer le carbone comme ça. C'est ce qu'il y a de plus simple. Quand on a vraiment l'astuce, c'est d'extraire, ça produit plus d'extraire hydrogène et oxygène, et ça produit plus d'énergie que ça en coûte. C'est ça qui nous a permis de bien se développer entre guillemets, parce que mine de rien, moi maintenant avoir l'oxygène et l'hydrogène de base, Ouais, bah oui, c'est ça beaucoup, aide. beaucoup plus rapide. Et c'est dans une synthétisis machine. On va synthétiser ça, on en a une en plus, je vais aller voir les autres après. Pardon. Ouais, la vibrante. Merde, j'oublie le Copernicum. La vibrante. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Alors, donc je vais avoir une super building wand, 3 vibrantes capacitors en plus, et bah du coup je prendrai Prends les 64 parce que les autres coûtent cher, mais on n'a pas besoin de transfert de temps d'énergie. C'était combien? C'est 2 millions de RF par tick. Pas nécessaire. ouais, Et attendez. il y Les a 100 000 plates. RF là-dedans. Ok, bah C'est pas fini encore. c'est cool d'avoir 100 000 RF en plus. Bah il faut les avoir, mais. Ah, c'est que 100 000 le vibrante! On avait déjà fait alors. Bah 25 000 x 4, ça fait 100 000. 100 Ah millions, oui. 100 millions. Ah, 100 millions, oui, on n'avait pas fait ce que j'étais en train de me dire. What? Alors vite, j'ai un élément radioactif en moi! Et là tu le vois péter. Poum! Ah, Me demande comment ça fait. On devrait en garder un de Copernicium et voir qu'est-ce que ça donne. personnellement, je testerai pas. No balls. 4, 5, 6. Ok, bah mec, j'ai une Nether Star en plus. Sympa, hein? Oh bah c'est Tout cool. ça sans tuer un seul Wither. Comment ça se passe pour ici? Pourquoi elles sont... ça recharge pas. Hein. Bon mec, écoute, les déplétés, on va les laisser pendant longtemps, mais j'ai pas l'impression que ça marche. Donc c'est un peu triste. Ah, par contre, ça en fait masse, j'en voulais peut-être pas autant. Hop. Bon bah je vais faire ça comme ça du Là, coup. c'est une donne une, alors que là.
Une donne deux, c'est ça? Ah, tout s'explique. Pourquoi j'en ai eu beaucoup plus? Ah, c'est deux donne deux. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir crafter ces heavy duty plates, ces frozen iron, petit titium. Voilà. Et on a ce qu'il faut. Alors, tiens, on va mettre en place la fusée. Ouais. Hop, est-ce qu'il y a besoin. Je veux. Est-ce qu'il y a besoin de la recharger? Comment on sait à combien il y a de Deux. carburant? Faut la casser, hein, c'est ça. Soit tu rentres dedans et tu regardes sur son inventaire, soit tu la pètes, oui. Tu peux regarder. Son inventaire, c'est où? I. Non, F. Oui, F. Ah oui, fuel 0%. Non, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Jamais regardé. Combien on recharge? Une canister complète? Une canister et demi? Ouais, une canister complète, ça suffit pour faire les allers-retours. Bon, bah voilà, celle-ci est faite, finie, enfin. Ah. Toulou. Attends, du coup, il reste le 0 point. 0 point. Oh! On peut faire un ZPE? Non, faut du diamant. Mais on en a pas assez? Non. Allez, je suis sûr qu'on en a assez. Il en faut Mec. 18. Alors, des styles, c'est facile. Il en manquerait un et on puisse en faire un. 1, 2, 3. Donc juste un diams. Autant que ça? Ah ouais. Ouais, 18, putain, t'as tout compté. Juste un diamant? Bah, il y a encore du gravier, je crois, Ah qui bah non, tourne. je suis con. Il y a juste besoin d'un bloc de diams, pas de. Oh bah c'est bon. Voilà. Ok, bah c'est moi qui est complètement à l'ouest. Ouais, bah comme d'hab. Je crois que quand je vais décoller, ça va griller totalement. Ah, mais elle est pleine, ouais, j'étais en train de me dire, putain, ça me prend pas l'XP, pourquoi et tout. Oui, non, mais non. Je vais pas la faire maintenant, la 0 point. Non, non, non. Il faut tellement de choses. Oui, à crafter, t'as vu, c'est l'horreur. Ah, Custom. merde. Tu vas passer par, tu sais, les petites tentacules là. D'ailleurs, c'est marrant comme ça représenté. Ah, tu l'as mis au-dessus, la capacitor. Mode Voilà, un boue. petit stockage de 100 millions en plus, hein, écoutez, c'est pas dégueulasse. D'ailleurs, du coup, tu es en train de tout transférer. Il en faudrait 2 ici, plus de 4, ça veut dire 4 diamants, 8 de quartz. Est-ce que je te charge ta fusée, mon petit bébé? Oui. Peut-être bien. Alors je la pose. F. Ouais, pareil, elle est vide chez toi. On a de l'ink sac. Ah, des ink sacs, non. Bon bah on peut rien faire du coup. Merde, ça c'est chiant les ink sacs. Comment on obtient? Ah, on peut peut-être en faire via Mindshame. C'est des. Ah, ouais, Carbone H2O. ah bah oui, Carbon Black. C'est H2O. Bah attends, je vais te faire ça. T'en faut combien? 4. Bien pris, pas cher. Polche. T'échanges contre un rail de coke. J'ai déjà 4 et H2O. Bizarre d'ailleurs. Ah, il me faudrait encore 3 de quartz si possible. Ah, le quartz faut le crafter par contre. Ouais. Silicone et gallium. Mon avis, il m'en faudra plus, mais bon. Je regarde éventuellement si on n'en a pas ailleurs. Il t'en faut combien d'ingsacs? 4. Ah, il me faut encore 2 quartz. Oui, dans les coffres. Non, mais en vrai, ça se tient. Les ingsacs, ça se craft. Je t'ai mis les ingsacs en haut, hein. Ok. Donc causé, je les ai balancés dans un coin. Allemand. Ah Bon, oui. ça c'est quasiment fait. Il faudrait que j'en refasse un peu plus. On va en faire 64. Bon bah faisons du quartz.
Et on go sur les astéroïdes après. Parce qu'on a Ouais. beaucoup de craft là. La Soul Sand, qui est trop chiant à faire d'ailleurs. Woodcraft sera plus sympa comme ça. On va laisser là, ça, ça. Le zinc, on a notre méga épée. Et j'aille recharger ça. Calium et arsenic. Ouais, c'est l'arsenic qui est compliqué à avoir. Ouais, je crois que c'est avec des flèches. Ouais, faut décomposer des flèches. Bah limite, tiens, viens, on va buter des mobs. Ouais, ça sera mieux. Ailleurs. Alors attends, faut juste que je te recharge une batterie. Moi je prends ça, un canister vide, un canister plein. C'est tout bon, je te recharge ta petite batterie et on peut y aller. On va tenter, alors les astéroïdes, ça nous avait été conseillé, je crois. Je sais pas si on peut les astéroïdes, je sais plus si c'était les astéroïdes ou les. Les astéroïdes, on peut normalement. On a le bon tiers. Ok. Attends, j'ai une batterie sur moi. Bon, SLT, on va te dire bah, SLT justement, puisque vu qu'il est juste en dessous de la piste de décollage, ça risque d'être assez violent. Ouais, faut peut-être que je recharge en oxygène, c'est pas bête. Hop. Normalement j'ai ça pour recharger, j'ai ça, j'ai une pile, j'ai la roquette. Ah. Hop. Je vais prendre ça au cas où. Bon bah ça devrait être bon. C'est bon, j'ai mes bonbonnes. Ben go, je t'attends dans la fusée. On peut. 3, 2, 1. Au revoir SLT. 9, 8. Il a plus que 7,4. Ah oui, 5. C'est pas linéaire ces dégâts, c'est bizarre. Ah, il peut peut-être pas mourir, mec, il peut peut-être pas descendre en dessous de 5. On verra ça donc on aura décollé. 4, 3, 2. Non, SLT. On t'aimait. Tu vois ma grosse fusée? Ya. J'aime bien, tu sais, elle a un petit point clignotant sur l'antenne, genre comme un avion. Bip, bip. Parce qu'on va pas du tout repérer la poussée, quoi. Pas du tout. Allez, on arrive à la poussée. Alors on essaye. Ouais, regarde, astéroïde. Tire 3, ouais. Ouais, on peut. Vas-y, go, on va sur les astéroïdes. Oui. Oula. Pendant un moment, j'étais. Je suis dans une capsule. Un antipode. Attention, ça va faire. Y a pas à ralentir de ça. Hein. Non. Mec, what the fuck, y a plein d'astéroïdes autour. What the fuck, t'as vu la taille de l'astéroïde ou quoi? Ok, j'ai un creeper qui m'a pété dessus. Je sais pas, je crois pas qu'on est sur le même astéroïde. D'accord. Pourtant, on a décollé ensemble. Je vois rien, mec. Effect. 16. À force, je les connais bien, les. Dégage! Ah. Ah, ça va mieux. Alors, mec. Oh putain, ça a quasiment pas consommé de fuel. Je crois pas qu'on est sur la. Oh, il y a des minerais! Il y a de l'iron! Ouais, cool. Mais comment on fait pour passer d'un satellite à un autre? J'ai un peu peur en fait. On décolle. Non, mais ils sont minuscules, les astéroïdes. Par contre, il y a masse ressources. Vas-y, moi je mine, je mine, je mine. Et tu regardes des fois en hauteur, tu vois des astéroïdes qui font Ah en bah il y mode en a plein au-dessus. space. À quel. Ah oui, je suis à 163 de haut, donc c'est bon, on peut redescendre en fait. Ah, je suis à 115. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, il est tout petit celui sur lequel j'ai atterri. Space. Le tien, il est gros et il y a plein de fer. En fait, faut miner des astéroïdes après. Par contre, il y a que ça, hein, du fer. Bon, par contre, ce qui me fait peur, c'est vraiment de partir de d'astéroïde en astéroïde, perso. Ah, sauter d'un astéroïde à un autre? Ouais. Non, ça va être rigolo. Non. Ouais, bon, bah quand on manque de fer, on sait où aller, hein.
Miner les astéroïdes. Leur Putain, tente. y a une société au Luxembourg qui s'est créée pour ça. Oh. Les mecs anticipent. Oh, c'est sûrement pour déposer des brevets, tu sais. Ça, ils se disent le jour où quelqu'un le fait vraiment, bah nous on fait moins ce pognon. T'as encore une coordonnée parce que. Alors, je suis en 38, 162, 102. T'es en quoi, toi? Moins 65, hauteur 128 et plus 92. Ok, alors c'est le moins 65. Je vais essayer de faire une transversale pour atterrir chez toi. Déjà là, je plume tout l'astéroïde de son fer. J'ai plus... Et mec, j'ai plus d'un stack de fer en... Donc tu serais par le sud, toi. Oh, il y a des gros... Ah, mec, il y a deux énormes astéroïdes là. Des squelettes volants. Alors attends, tu m'as dit moins... Moins 65. 92. Ok, alors je... Attends, je saute dans un autre astéroïde qui est pas très loin. Oh mec! Yeah! J'atterris sur une plateforme. Je crois que c'est toi que je vois là-bas. Non, 92. Qui Il y a des... saute? Tu sais qu'il y a... Ah, c'est toi que je vois là-bas. Attends, j'arrive. Ah oui, t'es bien là-bas. Là, j'étais sur l'astéroïde au-dessus, moi, c'était un tout petit. C'est pas mal Oui. comme... Regarde, il suffit juste que je tombe au bon endroit. Mec, il y a des astéroïdes qui sont en mouvement, Ah oui, regarde. bah oui, c'est justement. Et ça, c'est beau. J'arrive! Ah, il y a la Terre là-bas, c'est trop mignon. Bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, les petits qui courent à une vitesse grand V, hein. Ta-na-na-na, na-na, na-na, Space. da-da-da-da, na-na, na-na. Il manque la musique là, c'est parfait. Me booster. Ah oui, alors par contre, Dégage. s'il me pousse, ça va pas le faire. Mec, j'arrive pas à retomber au sol. Ça pourrait être marrant. J'arrive pas à retomber au sol. C'est l'enfer. Il faut que je mange d'ailleurs. Le soleil qui se lève. Brain, YOLO. Poule. Ouais, des flèches, des flèches, des flèches, il me les faut. Ne le repousse pas trop loin. Attends, je te le repousse vers toi. Oui, vas-y. Non! Non. Tombe pas, tombe pas. Fais gaffe. Bon, attends, j'ai récupéré la somme incroyable de deux flèches. Ouais, moi d'une. Ça va loin. Attends, on va miner ce petit astéroïde. Pas sûr qu'il ait quelque chose, lui. Ah, j'ai oublié ma pioche d'ailleurs. Ah, il a rien lui, alors que l'autre en avait plein. Et y en a certaines qui ont des arbres dedans. Des arbres dans un astéroïde. Normalement, c'est un ver, hein, si t'as regardé Star Wars. Et que d'un coup. Je le sens mal là, tu vois. Ah, ça c'est pas mal, ça c'est le cœur de l'astéroïde, mec. Où ira-t-on? Mais il est gros cet astéroïde, hein? Ouais. Je le voyais pas aussi gros de là-haut. Je voulais juste passer de l'autre côté. Ah, ça y est. Par contre, je sais pas si je fais bien de descendre. Mec, je crois que je vais tomber dans le vide. Cool. Vais Salut. remonter. Ouais, mine ça. Ok, c'est pas la meilleure des idées qu'on ait eues, je pense. Que j'ai eu. Bon, par contre, pour remonter, ça va, c'est pratique. Ah! Bonjour. Je voulais Bon, bah, t'enfermer. rien dans cet astéroïde, c'est un peu nul. Celui où j'étais, il était là-haut, il était beaucoup mieux là. Mais il n'y en a pas tant que ça. Bon, écoute, on aura vu. Pas mal. Est-ce que tu crois qu'on peut redécoller d'ici? Où est-ce qu'on va se prendre? Où est-ce qu'on monte le plus haut possible? On va peut-être monter. Mec, je vais essayer de choper
Des astéroïdes qui bougent. Ceux qui bougent, tu peux pas. Oh, je les voyais passer juste devant moi. Merde, y a rien ici. Ouais. Salut. Un, deux, trois. Oh, j'en ai vu un juste là. Yeah, presque! Non! Ouais, ceux qui bougent, on est pas loin quand même. On passe juste à côté d'eux. Canister volé. Et un squelette perdu là-bas. Oh, Oh, y a un minerai sympa. Eh, mais c'est devenu un jeu de plateforme, tu sais. C'est genre, attends, sur laquelle je vais aller là. c'est surtout si tu te rates, t'as intérêt à te rattraper sur les autres parce que. Alors, où allons-nous maintenant? Je suis complètement perdu. Ah, là, il faut plateformer un peu. Pour atterrir, je sors juste celle d'à côté. On est presque en haut. Oui. Alors là, attends, il y a un minerai qui m'intéresse. Je vais dessus. Je vais voir ce que c'est. Ça doit être l'aluminium, je suis pas Ok, sûr. c'est pas intéressant. Bah on est pas mal haut là. Est-ce que regarde, moi j'ai rien au-dessus. Est-ce que ça dirait que autour de cette petite base d'aluminium, Bah, je suis parti sur le qu'on se barre de cette zone infâme. space. Oh, ça rebondit les astéroïdes sur les blocs. Ouais, les astéroïdes rock. Oh. Écoute, regarde là, on a une bonne plateforme. On va pouvoir charger notre fusée. Pouk. Pouk, pouk, pouk. Pidou. Et ce qu'il y a assez. Moi j'ai assez pour éventuellement aller sur une autre. Ouais, après le problème c'est que ça part loin. Sur une autre planète, je sais pas s'il y a grand chose. On a fait à peu près tout niveau planète. Hop, hop. Comme ça charge. Moi c'est très long à charger. Ah bah oui. Forcément, c'est très long à charger si je mets pas de fusée. Ah bah oui. Ah oui, c'est pas con, tiens, En train de me dire. Par contre, ça perd de l'énergie. L'énergie se stocke pas, donc du coup. j'essaie d'économiser la pile. Alors, si... Hop, bon, on va dire que c'est chargé. Bah c'est tout gon, bon, Oui, gon, 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 on est bon, go? oui. Allez, 3, 2, 1. Merde, ok. Alors, ça fait Va-t-on plus de aller? flammes. Ah ouais, c'est pas mal les flammes là. Alors est-ce que ça va passer là? Ou est-ce qu'on va se prendre un petit astéroïde? Bon, on est à couche 188, je pense que c'est bon. Ouais, bah, il suffit qu'un seul passe et puis c'est bon. Et c'est pas mal de l'avoir fait comme ça. Heureusement que t'atterris sur un astéroïde, hein, tu pourrais tomber dans le vide avec ta petite capsule. Non, je pense que c'est bien fait quand même. Oui, je pense que ça capte un. Parce qu'au final, il n'y avait que 1, 2, 3, 4, 5 gros astéroïdes. Bon, après, je pense que tu peux passer d'astéroïde en astéroïde sans problème. Tu peux traverser le monde comme ça. Alors, où est-ce qu'on va atterrir? Ah oui, tu sais que pour les donjons, il m'avait dit qu'en fait, il faut faire spawner. Il n'y a que le boss qui va te donner une clé et qui. C'est ça qui va résoudre le. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, les autres. On n'a pas vu les satellites à. À Jupiter, les Europa et Callisto. Ouais, Saturne, il n'y en a pas. Alors, par contre, on pourra pas faire les deux. Est-ce qu'on y passe quand même? Ouais. Europa, vas-y. Europa. YOLO! Alors, n'oublie pas de freiner. Quoi, c'est l'espace déjà? Oui. Bonjour. Bonjour. Je le sens tellement que tu vas te cracher, toi. Non, c'est bon, on est à la couche 500, mec, on a le temps. Bah, je préfère prendre mes devants, moi, perso. Ouais. Tu peux pas descendre sous 10 mètres par seconde.
Yum Europa. Et normalement, c'est que de la glace. Yeah. Ah ouais, c'est joli. C'est froid. Brrr. Hop là. Oui. Ouais, on a encore. Ça a quasiment pas consommé de carburant. Plutôt bien. Alors, voyons voir un petit peu vite fait. Est-ce qu'il y aurait pas des donjons sur cette planète? Je doute qu'il y ait de la lave, mais est-ce qu'il y aurait des donjons? Ça pourrait être cool C'est de déjà. l'eau ou c'est. Ah, Ouais, c'est de l'eau! c'est de l'eau Et mais elle. gelée. Parce que j'ai mon truc thermal qui monte. Attends, il y a de la glace en dessous. J'ai ouvert la glace, j'essaye de descendre dans. Ah, mais mec, c'est que de la glace après. Ah, oh, ok, c'est que de la glace. C'est des océans de glace. Creuser là-dedans, c'est pas mal. Oui, effectivement. Mais c'est joli, t'as vu? Ça fait des grandes cavernes. C'est complètement vide. Ah, t'as réussi à tomber dans le trou? Non. Ouais, je suis en train de creuser un trou, justement. Raté. Oh merde. Attends, attends. Bulle d'air par ici. Ok, ça a pas marché. Creuse-moi un truc. Vite! L'histoire de la Oui. torche, en fait, ça marche bien aussi. Ah oui, c'est avec des torches, mais j'en ai pas sur moi. Bon, c'est pas conseillé. En plus, t'as vu, ça se transforme instantanément en flotte, je crois. Ouais, les gars, on va essayer de trouver un donjon. Ouais, parce que c'est dur. Donjon. Oh, c'est quoi comme... Oh, et hey, Jupiter, il est super beau. Ouais, là on voit les différents satellites. Alors, Épée a besoin de quartz. Il était en mode, comment on obtient cet élément-là? Comment on fait ce truc-là? Suis en PLS. Mais nous avons les réacteurs à fusion! Donc il faut du gallium arsenide. Gallium arsenide, c'est 31 et 33. On va fusionner de l'oxygène. On obtient 16. On va obtenir 32 en fusionnant ces trucs-là. Et il nous faut 31 et 33. Ça fait. Ouais, je vais peut-être pas faire. 33, c'est simple. Faire ça. Germanium! Ouais, il m'en faut moins en fait, parce que c'est H4, c'était 16. Bon, j'ai de l'arsenic. On va redécomposer ça. Ouais, je fais pas les choses bien, c'est pas grave. Allô? Je pige que dalle. En gros, c'est ouais, avec les valeurs des éléments, j'ai dit chromium. On va encore redécouper l'oxygène en deux. Par contre, ouais, j'arrive pas à faire clic droit là-dessus, je sais pas pourquoi ça. Du beryllium. Le chromium, on rajoute. Ça manque d'énergie par contre, mec. Ouais, ça s'use tellement vite. Nickel, on n'a pas besoin d'autant. Nickel, on rajoute l'autre. Hop, on obtient du copper, du zinc, c'était 31. Et du gallium! Ouais, mais c'est surtout en fait, vu comme c'est relié, il y en a. Ah non, tout est à zéro. What the fuck? Non, non, il y en a un peu. Il y a 29 millions. Ouais, en fait, quand t'as fait l'échange, c'est que unidirectionnel. Ah bah attends. Toc, 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 toc. En fait, on pouvait pas le connecter directement dessus? Ça part. Je vois pas là. Ça recharge? Ouais, ça recharge. Ah nice. Pourtant il n'y a rien en out, c'est bizarre. Ah non, c'est la production là. Donc, maintenant qu'on a ça, mec, on va pouvoir faire du quartz. Youpi, il en faut beaucoup. Gallium. Gallium arsenide et un gallium pour 4 de silicone. Voilà, j'ai 16 de quartz pour toi. Ça devrait le faire.
Ah bah, tu l'as pas eu. Putain! Non, je l'ai pas eu. Le voilà! Où ça? Non, je l'ai pas. The fuck? Il a pas été aspiré en bas? Mec! Il est droppé, il a disparu. Ah bah bien. C'est un problème de décoroco, ça. Je le sens. Petit! Petit petit, où es-tu? Petit, petit, petit! Bon bah des corocos. Hein. What the fuck? Je t'ai envoyé. Non, je crois que c'est un bug dans la matrice. Un de plus. Non, il est encore dans mon inventaire. Bah voilà. Oui, du Voilà, elle quartz. était bloquée dans l'inventaire. Bon, et juste avant qu'on se laisse, je voulais crafter les premiers. Je sais plus ce que je voulais faire du coup. Donc 4 diamants de plus. Oui, non, mince. Ah, le diamant, il n'y en a plus par contre. Hein. Voilà, amplification. 32, ça suffit pas, mais c'est déjà un bon début. Hop, où on a. Ah oui, il y a celle-là. Hop, qui est toujours active. Oui, je l'ai fait. Bon, on va prendre une Nether Star. Oh putain, il faut faire la Stargate Base et c'est là que ça devient compliqué. Et les chevrons blocs aussi. Est-ce que je peux pas faire les chevrons blocs? Zero point, c'est quoi ça? Oh. Oh mec, il faut masse Ender Pearl. On a des Ender Pearls? Comment tu fais pour les récolter d'ailleurs? Il faut les péter. Il faut faire attention avec ça. D'ailleurs, je vais les déplacer ça parce que. Est-ce que je sens que. Ah, j'en ai déjà perdu une comme ça, donc du coup. Un peu dommage. Ah, j'ai que deux Ender Pearls. J'en ai une ici. Trois! Est-ce qu'on en a plus? Bon bah il va falloir encore farmer pas mal hein, pour ces. On a plus d'enderpearl quelque part ou pas? Peut-être dans le coffre. Non, il y en a pas. Cité triste. Bon, on va avoir pas mal de choses à farmer encore. Bah écoutez, on continuera la prochaine fois. Évidemment, peut-être que t'en avais mis ici. Oui, 9 enderpearls. Ah, le problème c'est qu'il m'en faut 4 par chevron, il m'en faut 7. 4 fois 7? 28! Donc il me faut 28 enderpearls. Ok! Bon, Bon ben bien. rendez-vous à la prochaine les amis. Bisous, Ciao bisous. ciao ciao.